Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté et à qui est, entendez-nous. Nous sommes vraiment contents, encore une fois, pour nous rejoindre. Dans l'idée pour nous capables de continuer à partager toutes les dernières informations qui ont dominé le pays. Et le pays d'Haïti nous connaît, lui-même qui a dominé dans sa guerre avec assassinat président de la République, Jovenel Moïse. Côté, en pile monde déjà en bas code, en pile avis de recherche, en pile. Eh bien, révélation a fait sous assassinat président. Mais qu'on y a, qui est-ce qui vérité, qui est-ce qui mentit? Point final là, c'est la justice lui-même qui vous fait lumière sous ça. Nous songez, les photos, le tap dit président prend coup, le crasé président, le monde qui tap dit c'est vous et monté, côté de jouer une information ça yo. Eh bien, après 2-3 jours, nous, qui j'aime yo maltraité président avant le témoin, gade cause tout. Qui parlait en pile monde qui ignorait parole yo et puis c'est après en pile monde a dit que monsieur a pas monsieur qui parlait vérité et ben c'est le cas et bien c'est le cas des vidéos ça nous allons suivre ensemble avec moi il y a un pile GoPro là-dedans qui a rapport avec assassinat chef d'état Jovenel Moïse côté directeur général de la police là monsieur Léon Charles l'hypothèse ont démenti formel avec information qui a circulé sous PM Claude Joseph, mais côté où t'as fait quoi? L'État impliqué dans l'assassinat président de la République. De l'autre côté, citoyen ça nous pourrons suivre dans la vidéo ça. Il fait gros révélation sous façon de tuer président de la République, Jovenel Moïse. Je pense que si toutefois t'as fait vrai, et c'est triste. Et l'orgueil des images qui sortent déjà, moi-même, pour respect président, je n'ai pas choisi. Poste pièce photo cadavre président République Jovenel Moïse. Mais d'après citoyen ça, l'État fait quoi? Il y a une vidéo dans même vidéo côté Negio a ronflé président Jovenel Moïse en bas bâton avant de tout. Il fait qu'on est avant longtemps, il y a pour publier vidéo ça. Mais nous allons l'inviter sans perdre du temps en suivre tout détail qui gagne la vidéo ça. Merci, bonne écoute. Non, je ne sais pas, je non, entré, Negio ka Jovenel, à minuit 29, Negio entré, c'est deux Negio qui entré ka Jovenel. Jovenel a les téléphones, ils ont intercepté, Jovenel dit oui, quitte Negio entré. Vous voyez, voilà. Pour un Negio chez eux, tourner. Ça a un mètre caille, qui n'a caille. Vous voyez ça même. Negio arrivé, Negio chita à Jovenel. Et il me dit ça, m'a dit ça clair là, va voir. Après 7h du soir, demain si Dieu veut, si Colombie a quitté le pays, moi m'a posté toute vidéo. Ok? M'a posté vidéo côté Jovenel, je m'a posté vidéo côté Jovenel, la cité non est qui dans téléphone na avec là. Jovenel dans téléphone, monsieur ba Jovenel ko dans caméra. Ouais, m'a parlé tout demain si Dieu. Avec cité torturé, il va le coup de manchette dans pied gauche. OK. Avant Jovenel mourir, monsieur ba Jovenel pendant Jovenel dans téléphone à boss cap forcer Jovenel parler. OK madame. Donc mais ça il s'est oublié, va vrai. Nous intelligents que ça moun di nou ye. Pa gen moun kap leve al tuyon président la Kaili sans que pa gon sécurité prend coup,
sécurité ou pas prend quoi nèg yo pas en tort. OK, monsieur vini Jovenel autorisé pour nèg yo lever ti gate là-bas monsieur passé. Jovenel pas connaît monsieur vinn tirer. Monsieur pas venir pour venir tuer Jovenel. Monsieur vini pour le bail Jovenel pression. OK, et ça captant de là-bas ouais. L'émission en 32 monsieur Chita président. Tout bagaille. Nèg yo rivé ca Jovenel minuit 29. États-Unis gagnent à minuit 29 exactement, les distribuer que moun entre ca Jovenel vinn dans conversation. États-Unis pour aller les USGPN. OK. À minuit 42, c'est le ça monsieur Foul Jovenel premier coup de prendre en figue. Jovenel tombé dans chaise de Jovenel de Chita. Monsieur Foul Jovenel coup de prendre tout téléphone là. Bao. Oui, vous êtes toute sous tout sous vidéo. Ma plague au demain si Dieu veut après 7h du soir. OK. Mon gien ren nan mou dan, ma vive dans 27 kay, vin chercher. Mwen bodo. Donc, li le li tan men pour nous chercher, camper pour nous goumen pour payer nous men. Parce que ça qu'a fait là, c'est pas li, nous pas de voter pour li, c'est pas ça nous devler. Monsieur non pas cou là, li pour compte li. OK? Nous pas chercher Jovenel encore nous gétan perdit Jovenel. En alde jeune pays nous bat. En alwe ki ça va dire nous, les nèg au final après 7h du soir demain. OK? Yo pou ko vle kite le sikule ou nan zore ayisyen Ayiti. Mba konnen, eske sa ap deranje ko ou off comment yo pou ki paske comment yo vin fè moun focus sou sa kap di ke yo sa kap ekri an ba ke tande pitou. Ayisyen gen ti problème tande. Bon. OK. Mba konnen get. Konnen la pale a off comment yo. How can I do that? Mba tout fò sa. Wap just clique kote wè ko ka ekri an. Et puis là, bon, trois petits points, et pour après que ou ka off comment là. Alright, ok. Kevin, c'est frère moi, petit garçon, mais va vrai. Mm-hmm. Dans combien de temps avant ou action fait, avant vin konnen que m'y étant tout li? Trois jours avant. Depuis trois jours avant, m'douj doumé, ça peut pas arriver. Prépare ou, sou ka documenter, pas entrer là dans trois fonds. Pas vrai? Parce que m'y choisi faire comme haïtien. Ok, bonhomme. Et haïtien mais ça pour nous goûmer encore monsieur les Haïti pour jeune liberté li leur pour nous faire Haïti connait que diaspora important Haïti grand passage maximum nous besoin pour nous faire tendre nous faut que nous gagnons je vois de bonheur mal non congrégation toi excusez moi ou faire frette là en aller toi monsieur pour faire frette et pas faute mon cher non frette m'ba bon ben, ouais, c'est pas faute. Et même pour dernière information pour me dire tout. Yes. Docteur Emmanuel Sanosa. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Nous se rencontré avec Jovenel en mai 2019 ou 2020. Dans réunion ça te gain 3 monde dans réunion ça. Monsieur président Jovenel avec un troisième monde. Martine Moïse était là, troisième monde en fait Martine sorti dans réunion. Martine déplacé. Mes questions qui puissent là pas vrai. Monsieur son docteur, c'est vrai. Nèg yo gen 15 millions de dollars dans mais 600 000 dollars pour chaque soldat. Est-ce que vous pensez docteur ça gen 15 millions de dollars pour le payer nèg al faction? Hein? Pas fait ça cher. Pas fait ça. OK. Tout ça donné pour mettre comme Mac dit. M'garde qui donner forte caca la gawa. Mais quoi force? Pas de saisie. On a le mode. Toi qui fais 21 ans na law enforcement service in general. En tout na système américain et fédéral. Et ni dans l'armée ni dans DIA. En tout 21 ans. Magdi Mkadjo dans moins de 5 secondes qui soit pensé là qui pour jour avant aller dans chambre. OK bodo MK Zodo qui dernier fond call ou t'es fait toutefois pour venir en high alert you have to be on alert so pas on alert ou pas important OK même j'aimerais aller Kevin so quand me dit Kevin mon listen pour vous mais ça vient devant que yo me dit Kevin mais on listen devant mais ça vient pour vous que ou sous supervision m'barre l'homme de ça Kevin à l'aise
Mba pale sa sou la yon se mba di moun yo sa mba pe mwen men. Mba gen non, le dosi. Non, non, tande, nou ka pale de tou la. Bari moun kon ka yo. Mem jou men ki kaye negyo gen kontrol ya veyo plus la don. Men sa pou fe. Exactement. Mba ale, nou ka pale la. Bode, se douam kon ma isi mka fe sa ma fe pa vwe. Mal non, jem nap diola, mal non kongregasyon. Yo invite 3000 moun. Ke mse te nte yon la den yo. Nan 3000 moun nan, nou gen 1300 haïtien, gros chef. Gros vieux chef, ma palo moun ki responsable VIA, ma palo moun ki responsable sécurité rapproché Biden, ma palo moun gros chef. Lem pa la moun kon sa nèg yo répond, nèg yo di m ki intérêt yo, yo pral verser énergie ak poche yo nan un pays pendant ce temps que yo limité, si yo ta di oui, yo vle renforcer force la police Haïti et puis tout moun a di yo non, côté américain pa ka fèl. Pour que ça nous pas continuer nous pas gétan well comme un changement éviter essayer éliminer ça nous te juger et ça nous te choisir en nous recommençons notre constitution on pas mettre diaspora seulement à l'étage que c'est nous besoin seulement dans mais yo quitter diaspora entrer dans pays à tout bon au compte ça vient nous marquer man on pas faire non que me pas la plusieurs la vidéo ça quoi. Des informations pour capable démentir l'information qui a circulé sous enquête que la police diligente dans le cas assassinat président Jovenel Moïse. La PNH porte un démenti formel aux allégations qui peuvent faire croire que les enquêteurs haïtiens étrangers qui travaillent sur l'enquête relative à l'assassinat du président de la République de ce jeune Moïse pourrait trouver des indices ou informations qui impliqueraient le Premier ministre Ali, Claude Joseph, dans cette affaire. Le commandant-chef va faire un bref rappel des activités qui se sont déroulées dans, ce cadre, dans le cadre de cette affaire. Le 7 juillet 2021, la PNH a été informée qu'un groupe d'individus a pénétré la résidence privée du chef de l'État haïtien, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Ces malfrats l'ont lâchement assassiné. Une fois informé, la PNH s'est mise en branle où plusieurs unités ont été déployées en vue d'appréhender tous ceux qui ont participé à cet acte. Le même jour de l'assassinat, des infos ont été collectées en ce qui concerne l'endroit où ces individus se sont réfugiés. Un premier groupe a été repéré à Thomasin, où un assaut a été lancé. Deux des assaillants ont été stoppés et deux autres se sont rendus à la BNH. La BNH a continué ses recherches et le 8 juillet, les informations nous ont conduit à l'ambassade de Taïwan où la BNH a récupéré 11 autres assaillants. Les riverains du quartier appelé Jalousie a pu intercepter deux de ces présumés assassins et un cadavre a été retrouvé dans cette même zone sur le troisième maison. Pour le moment, la PNH a procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont deux haïtiens-américains, trois haïtiens, 18 colombiens. Il est à noter que trois de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par la DCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionné autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsables d'unité et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens étrangers. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation en ce sens. La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Merci. Mais comme c'est donc, on a l'habitude de faire pour le reste, on a une question.
n'a pas deux questions. Au moins pour être capable de faire une séance. À l'arrière. Pour Il y a un commandant du palais national qui occupait l'unité UHPN, non? Est-ce que lui en garde à vue? Est-ce que nous devons présenter devant le juge ou bien non arrêté? L'ex-responsable de l'unité de sécurité du palais national est exigeant de convocation de l'inspection générale dans le cadre d'enquête administrative. Dans la première convocation, il est convoqué au conservatoire. Dans la deuxième convocation, bien entendu, le juge conservatoire, il a été relevé de son poste. Et deuxième convocation maintenant, il est placé en isolement en attendant que l'autre étape de la procédure là, dans le milieu de la pratique. Sir, we know that there is CCTV footage from the presidential residence the night of the assassination. Why not release that footage to the public? Would that not answer so many outstanding questions about who did this? That's a great question, but I would like to say to you that we are conducting an investigation. And in the investigation, there is a procedure to follow. So we have to, now we're conducting an administrative investigation, and the judicial police is conducting a judicial one. So we cannot reveal to the public anything, any more information until the investigator allow us to do so. And what, if anything, have these suspects been charged with? Have they been charged officially with a crime? Have they met with consular representation? Do they have lawyers? When will we be able to hear from the Colombians and the Americans that have been detained? As I said to you before earlier, we are conducting an investigation. Me as a chief of police, all the information I'm providing to you have been processed by the investigation team. So in due time, we will present all the information authorized by the leader of the investigation. That's a third question. Thank you.